Alors, une de ces informations, les FAMA, dans leur dynamique d'avancement dans la surveillance et la sécurisation du territoire national, les forces armées maliennes de défense et de sécurité ont réussi à neutraliser un groupe terroriste et à détruire d'importants matériels lors des missions de reconnaissance offensive menées dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 février 2024 dans les secteurs d'Aguelog, Tessalit et Tangzaten. Le Mali est éliminé en quart de finale de la CAN 2023 par le pays organisateur. Une dure épreuve pour les supporters des Aigles qui dénoncent une mauvaise gestion technique. Le président Macky Sall annonce le report samedi de la présidentielle du 25 février. Les Sénégalais ne seront plus convoqués aux urnes le 25 février comme prévu. Le scrutin présidentiel a été reporté samedi par un décret signé samedi par le président Macky Sall. La CEDEAO prend note du report de l'élection présidentielle par le président Macky Sall. La commission de la CEDEAO exprime sa préoccupation face aux circonstances qui ont conduit au report des élections et appelle les autorités compétentes à accélérer les différents processus en vue de fixer une nouvelle date pour les élections. La commission exhorte en outre l'ensemble de la classe politique à donner la priorité au dialogue et à la collaboration pour des élections transparentes, inclusives et crédibles.